Hey yo tout le monde, c'est Nuziteuf, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Pokémon Argent Soul Silver. J'espère que vous allez tous bien, moi personnellement ça va comme il faut. Et en voulant aller soigner mes Pokémon, bah, je suis tombé sur ce combat. Donc écoutez, allons-y dès maintenant. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes actuellement lundi 29, c'est ça, lundi 29. Donc bientôt la fin du mois de septembre, hein, votre premier mois de course achève au final, hein, c'est plutôt pas mal. Ok, on a un Rwagada en face, Bomberk, tranquillement. Voilà, votre premier mois de course achève pour tous ceux qui étaient en mode rentrée. Donc, du coup, bah, c'est plutôt cool, hein, vous avez fait un 9e du chemin. Pas mal. Pour ma part, moi je vais faire ma rentrée mercredi, voilà, tout simplement. C'était la petite information. Donc actuellement, on va devoir traverser la grotte de glace là, qui globalement m'enchante pas trop. Et on m'a mis plus ou moins au défi pour cette grotte de glace de mettre le GB player, qui met l'ancienne musique en fait. Et on m'a dit que vu que j'allais galérer dans la grotte, la musique allait me faire chier. Voilà, autant vous le dire. Vas-y. Voilà, superbe. Donc du coup, je voulais soigner mes Pokémon. Mais c'est vrai que j'avais tout évité, il me semble. C'est vrai que j'avais tout évité. J'avais tout évité d'être dans cette grotte là. Alors lui j'avais pas dû... Oui voilà, ok très bien. Donc là on va devoir faire la route pour aller à la huitième ville comprenant une arène. Donc la huitième arène au final. J'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'on va pas passer trop de temps dans les grottes. Je sais que les précédents épisodes avec la Team Rocket et tout étaient plutôt... LOL. C'est chiant quoi. Vraiment un passage de l'aventure qui était plus ou moins compliqué. D'ailleurs, j'aimerais juste remettre au clair une petite chose. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui... Enfin, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient « Ouais, NT, en fait, c'est nul. Parce que dans Pokémon Argent Soul Silver, bah, tu rencontres plus de légendaires. » Ben, ouais, mais bon, enfin, c'est pas non plus le but de la série. Le but de la série, à la base, c'était juste de faire le jeu avec des Pokémon aléatoires. Enfin, voilà, c'est tout. Love Disc. Alors, vous voyez qu'actuellement, je n'ai pas de casque sur la tête. Hein, je vais expliquer dès maintenant pourquoi. Ça n'affecte pas Love Disc, d'accord. Love Disc est donc de type acier. J'ai pas de casque sur la tête, j'utilise des écouteurs. Tout simplement parce que, eh bien, mon casque est cassé. Voilà, il n'a plus qu'un écouteur qui marche. Et puis, pour Pokémon en stéréo, c'est un petit peu... problématique puisque du coup on n'entend pas les bruits du Pokémon qui est en haut là par exemple. Du coup c'est plutôt énervant. Faut que je change de Pokémon. Et puis donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu ça. Mon casque est cassé, j'en attends un nouveau. J'en attends un nouveau qui devrait arriver. Voilà. Un rouge, vous inquiétez pas, il sera rouge. De toute façon je veux que mon futur casque soit rouge. Pas de changement à ça. Je resterai sur un casque rouge. Ah, il est pas que acier, visiblement. Il a un double tite. Double tite. Il a une double tite. Je vais mettre ça, j'ai une double tite. Une tite à chaque oreille, en fait. Et du coup, bah, j'ai très très mal. Une double tite, ça ferait peur. Et je vais essayer Surf, tiens, pour voir, justement. Et par contre, là, on est un peu plus dans les... Ah ouais, mais on le met KO quand même. C'est pas mal. Sans coquille. Bon allez, cette fois on change de Pokémon et on envoie vraiment Popo Girl, puisque je pense pas que sans coquille soit de type acier, ou du moins je l'espère. T'es pas de type acier, t'as pas une tête à être de type acier. Enfin, de toute façon, c'est en random, mais voilà, il y était pas. Super. On gère. We are gering. Pourquoi mon nez me gratte à chaque fois que je fais des épisodes sur Pokémon Ranger? Ce n'est pas possible. Pas Pokémon Ranger d'ailleurs. Oula, je suis perturbé par mon let's play sur Pokémon Ranger.
Oui, parce que je suis en train de tourner le Let's Play sur Pokémon Ranger 2. J'en suis actuellement, là, au moment où je vous parle, j'ai tourné 10 épisodes. Je vais essayer d'en tourner encore 5 d'ici la rentrée, afin de pouvoir pallier à un éventuel manque de vidéos pendant la période des cours. Voilà. Je préfère prévenir que guérir. C'est beau ce que je dis. Mascadra qui a masse de PV, mais qui est KO. Ah là, c'est pas mal. Psychoquack, on va garder le même Pokémon, aucun souci. Bomberk. Bomberk. Alors vous savez que Ruby Omega et Saphir Alpha arrivent maintenant. Enfin, ça se rapproche de plus en plus. Hein, au final, là, dans un mois et 28... Non. Dans 2 mois, quasiment tout pile. Eh bien, nous aurons en notre possession les jeux Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin, moi, je trouve ça cool. Ouais, c'est à vous de voir. Oui, je fais tous les dresseurs. Ah oui, je vous l'ai peut-être pas dit. Quand même, avant d'entrer dans cette grotte, je préfère faire tous les dresseurs et puis après, on verra. Kelorior. Bomberk. Moi, j'ai aucun respect. Hein. J'ai aucun respect. Moi, je dis Bomberk comme ça. Ce n'est pas très efficace, mais c'est l'ami KO, donc aucun souci. Allez, il monte au niveau 36. Ah non, il lui manque... Il lui manque un ou deux points d'expérience, c'est dommage. C'est dommage. Allez, Popogar, tu vas le faire. Non, je suis pas sûr. Ah, tu vas faire fuir ce petit art juste quand j'allais le trapper. Payé. Regice, nouveau Pokémon légendaire. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je l'avais pas encore rencontré celui-là. J'ai même pas mon compteur de légendaire à côté de moi, mais je suis persuadé qu'on l'a jamais rencontré. Et ça, c'est grave cool. Ok, un joli niveau 36 pour Popo Girl. Maganon ou Maganon. On va changer de Pokémon et puis on va envoyer du coup. Allez, Solitar, moi je le sens bien. Maganon ou Magan, comme vous voulez. Delivery Force. Il fait que de faire. Les petits passiers. Plutôt intéressant ça. Ah non, d'accord, il doit avoir un truc du genre lévitation ou je ne sais pas quoi. Tiens, on va le tenter en vol. Tentons-le en vol. On est des gens fous. Luminocanon. Ah, il doit être acier quelque chose. Hein. Ou alors il est juste acier. Alors peut-être qu'il est juste acier et que... Mais qu'il a lévitation. C'est pour ça que ça ne l'affecterait pas. Ce qui est fort probable. À moins qu'il soit acier vol. C'est possible également. C'est bon, ça l'a mis KO, ça c'est cool. Et ton dernier Pokémon, c'est un Tentacool, un simple Tentacool. Bon, ça va. Allez, Solitar, cette fois tu y vas, s'il te plaît. Faut faire des choses, s'il te plaît, dans la vie, des fois. Squeamer Renan. Pelluri Force, Flake Croix. Aïe. Plein de type insecte, vous pensez? Possible. En tout cas, il résiste bien. Ah, il reçoit l'attaque Carna Rocket. Ah, ça fait mal. Ah bah non. On va faire vol. Si c'est un Pokémon de type insecte, vol théoriquement ça devrait lui faire plus ou moins mal. Nous sommes d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Nous avions raison. Nous avions raison. Franchement, on gère. On gère là-dessus. Vous remarquerez également que je me suis... J'ai mes cheveux qui sont tombés. Donc voilà. Du coup, j'en ai moins qu'avant. Ouais, t'es particulièrement intense. Il m'arrive de pêcher des objets d'en haut. Ouais. Vous vous rendez compte que je me saoule moi-même à faire ces mouvements?
Oula, j'ai failli faire une accélération. Allez. Henry! Ok, on les a tous fait ici, c'est cool. On va enfin pouvoir aller dans cette grotte. In the cave. Into the cave. Easy! Ah, je me suis fait couiller. Attendez, on va le recommencer. Tac, 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 tac. Tac, tac, et voilà, ok. Là, c'est bon. On a réussi le premier. Là, il doit y avoir une Pokéball au bout, en fait, il me semble. Ah, c'est ça. Alors, pour l'atteindre, il faut... faire ça. Ok. Eh bien, on trouve Cascade. Eh, c'est plutôt intéressant quand même. Ça peut être quand même un petit peu utile, Cascade. Oui, je marche tranquillement. Pour éviter que... enfin, voilà. Pour éviter les choses. Cerebou. Telluriforce. Voilà. Là, ça marche bien. Ouh, mais ça lui fait super mal en plus. Ça, c'est cool. Au revoir, Cerebou. L'objet, c'est une CS, hein. C'est moi qui l'ai laissé tomber. Mais bah, après tout, tu l'as ramassé, je te l'offre. Elle contient Cascade, et évidemment, elle permet de remonter les cascades. Moi? Ben, avant de penser à remonter les cascades, il faudrait que je m'achète des nouvelles chaussures. Ok, d'accord. Et tu dis... n'a aucun intérêt. Ah, un Pokémon! Oh, c'est un Panfeu! Il est mignon. Salut! M'en fous. Soit mignon ou pas, ça ne change rien. Ah! Mais oui, on a notre Togepi qui a force. J'allais dire, il nous faut un Pokémon avec force. On a déjà. Donc, la question ne se pose pas trop. On va commencer par celui-là. Il faut faire descendre tous les cailloux parce que sinon on pourra pas passer par la suite. Vous verrez, vous allez comprendre. Ok. Ça c'est bon, le rocher est tombé. Waouh, un boule de nœud. Qu'est-ce... enfin, il est moche. Ouais, oui, tu es moche. Hein, Non mais boule de nœud, vraiment, il a pas la classe, quoi. Celui-là, faut l'envoyer par là, hein, je pense.
Et puis là, je dois aller le chercher par... Attendez. Ouais, si, c'est ça. Hein. Ah, c'est galère. En gros, il faut que je revienne là. Je vous montre. Hein. Faut que je revienne là comme ça. Hey! Ah, un capoeira. Tiens, intéressant. Allez, fuite. Ah, fuite impossible. Ah, merde. Ça, c'est caca. Profeu, ça voudrait dire qu'il est de type... Merde. Voudrait dire qu'il est de type... Ouais, il est de type feu, là, clairement. Donc, du coup, avec... Avec spécial, ok. Avec Telluriforce, je le mets KO. Embargo. Oh, wow, on va se calmer, là. Solitaire ne peut plus utiliser d'objets. Ouais, hein? Oh, hey. Merci, hein. Ok, voilà, Capoeira, là il est KO. Donc lui on le bouge pas encore parce que je sais pas trop où il faut qu'on l'emmène. Je pense qu'il faut qu'on l'emmène en haut, mais j'ai pas encore réfléchi à comment on faisait. Ok, maintenant en fait je crois que je sais. Du coup on va peut-être le faire d'une pierre deux coups, quoique on risquerait de se bloquer. Je vais juste vérifier un truc. Non, ça ira. Ah bah non, on peut pas faire d'une pierre deux coups. Non, faut pas que je fasse. Faut pas que je fasse des conneries. Donc là, il faut qu'on fasse tac, tac, tac. Ensuite, là, on passe par en haut. Et là. Ok. Là, on est bon pour celui-là. Ah, arrêtez les Pokémon! En plus, vous êtes pas beau. Et même pas dans le bon sens. Ils ont même pas dessiné dans le bon sens. C'est triste, hein. Parce que t'es pas si mal dessiné que ça. Hein. Ils t'ont pas dessiné. Hein. Dommage. Non, tu sais pas qu'ils ont pas dessiné dans le bon sens. Ah bon? Tac. Ok. Lui, il va falloir passer. Donc. Il va falloir repasser par en haut pour déplacer le rocher. Par en haut. Quand je dis par en haut, c'est par ici. Un Ponyta! Mais il a des vachement petites pattes, je trouve. C'est étonnant. Ponyta calque. Ah, il a calque. Ah, fuite impossible. D'où? Mais. Bah voilà. Oui, j'ai accéléré pour pouvoir fuir. Non! Les monsieur, les Pokémon! Arco! Mais il est. Mais il est en train de tomber? Tu es en train de tomber, Arco? Théoriquement, Telluriforce devrait lui faire beaucoup mal, hein, puisque je vous rappelle qu'on a Junko dans notre équipe et qu'on connaît donc son type. Eh oui. Désolé, Arco. Ok, super. Donc, par ici, il faut prendre ce rocher-là. Là, on le met comme ça et là, on le fait tomber. Ensuite, il y a un dernier trou dans lequel on a pas mis de choses. Il me semble que c'est. C'est celui-là. Hein. Attendez, c'est dans celui-là? Ouais, c'est dans celui-là. Il me semble bien que c'est dans celui-là. Je suis plus très sûr, mais. Ça me semble être dans celui-là, moi. Ouais. Ah, attendez, là on va réfléchir. C'est forcément ce côté-là. Là, on va par en bas. Ok. Là, on passe en bas, on le remonte. Et là, tout à gauche. Et là, on est bon. On va pouvoir rentrer, donc même par un trou, théoriquement. Y a pas de souci. Voilà. Voilà, et puis c'est là que ça va devenir marrant. Va falloir qu'on tente des choses. Bon, déjà, une Pokéball, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Alors. Ouais, ok. Là, je check juste le passage, en fait, si vous voulez. Alors, il est clair qu'il faut que j'aille. On est d'accord, faut que j'aille au milieu. Donc, pour ça.
On sait qu'on arrive théoriquement par ici. Donc... Ouais, de toute façon, il faut se servir des... Oh, l'énergie! On sait qu'il faut se servir des rochers, puisqu'ils sont là pour une raison. Donc, du coup, pour moi, c'est dire que c'est par ici qu'il faut aller. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on ferait ça. Ensuite, on fait ça. Puis, on fait ça. Et voilà. Et voilà. Et c'est ainsi que va la vie. Moi, je vous le dis. Voilà. On a éclat rock. Pareil. Aucun souci. Hein, Coquille nulle est là pour ça, de toute façon. Coquille nulle. Glace éternelle, ça c'est un bon petit truc. Ok, il y avait rien de spécial par là. On remonte. Alors, par où on passe? Ah, d'accord, ok. Alors, est-ce qu'on monte direct ou pas? Il me semble que ici c'est la sortie, hein. Non. C'est très la réflexion, c'est très la réflexion, moi je vous le dis. Là, il y a du skill, hein. Il y a du skill dans ma réflexion. Enfin, en même temps, s'ils font ça, c'est pour que ce soit faisable. Hein. Mais c'est toujours la petite victoire quand on réussit à faire ça. Protéines, et donc là, par contre, voilà, la sortie en bas. Ah, il faut la pousser dans le dos, en fait. Faire ça, comme ça. Ah non. Merde. Tiens donc, Enti, quelle plaisante surprise de te rencontrer ici. En fait, mes sandales se sont prises dans la glace et je ne peux plus bouger. Des sandales d'Enti. Oui, c'est vrai qu'elle parle en chinois. Dans la neige glacée, bref, ce n'est pas le moment de faire la poésie. Peux-tu me poter dans le dos? Oui. Vlan. T'es bien aimable. Merci infiniment. J'arrive pas avec les écouteurs à faire le chinois, je suis vraiment désolé. Attendez, je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut passer chercher cette Pokéball. Là, j'arrive pas à analyser le délire. Ah si si, ok d'accord. Alors, faudrait arriver... Merde. Ah bah si, c'est bon. Voilà, je suis bon. J'étais en train de m'imaginer des trucs en haut, mais non, non, là c'est bon. Du coup, là par contre, pour repasser, il faut que je... Merde. Ouais, je fais comment? On peut plus passer? Si, forcément. Ah si, voilà, comme ça. Ok! Nous voici sortis de cette forêt. Comme je t'évite, sale dresseur. Allez. On va en centre Pokémon, soigner tranquillement nos Pokémon. Et puis moi j'ai envie de vous dire, bah écoutez, je pense qu'on va se retrouver dans le prochain épisode. Qui sera l'épisode... Je sais pas combien de Pokémon Argent, Sol, Silver. Merci d'avoir suivi cet épisode. On est allé plutôt vite pour cette caverne. Et puis, n'oubliez pas les gens, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. En attendant le prochain épisode, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde.